1, verset 1 là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. D'accord. Qui est la parole dont Jean 1 est en train de parler? Question. Question. Elle était faite chair, c'est que c'est Dieu qui a ordonné qu'elle a existé. Donc à la base, elle n'était pas chair. Elle n'est pas un individu, mais un outil de création. Abraham 2, vous avez la parole. Premièrement, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça fait vraiment deux jours. Vraiment. Ok. Bon, comme on est un peu pris par le temps, on va aller droit au but. Non. La question que je veux poser concerne la divinité de Jésus. Si quelqu'un n'a pas eu coma dans sa langue, elle n'est pas laissée. Je t'ai dit, hein. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens sont perdus. Ça c'est clair. Voilà. C'est pas nous l'a dit, c'est toi ou toi. C'est ce que je dis. Donc, ma question est la suivante. Parce que l'église chrétienne admet que Jésus est Dieu à cause d'un verset. Et ce verset-là, quand je disais c'est quel verset, je vais dire. C'est Jean 1, verset 1. Ouais. Si on peut lire ce verset. Jean 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Merci mon frère. Merci. Tout ça c'est bon. Merci. On va aller droit au but. Jean 1, verset 1 là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. D'accord. Qui est la parole dont Jean 1 est en train de parler? Question. Verset 3, s'il vous plaît. Au verset 3. Merci. Toutes choses ont été faites par elle. Elle. Stop. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est forcément la parole. Très bien. Donc, on comprend que la parole, ce n'est pas un individu. Mais c'est un outil de création. Donc, du coup, la parole est forcément... C'est par la parole que toute chose existe. Attention. C'est par la parole que toute chose existe. Donc, la parole n'est pas un individu, mais la parole est un mécanisme par lequel le créateur passe pour créer. Donc, on va continuer le verset 3. S'il te plaît. Ça va aller, on finit. S'il te plaît, pardon. Ce que tu dis est dangereux. Parce que tu dis que la parole n'est pas un individu. Que la parole est un outil. Je veux savoir, est-ce qu'il a existé ou bien il existe dans la Bible un esprit qu'on appelle la parole de Dieu? Très bien, ça vous te dit, si tu étais patient et calme comme un élève assidu, tu allais comprendre la suite. Voilà, c'est la suite là qui définit beaucoup de choses. D'accord. Très bien. Donc on lit le 3. On a le même 1 genre. Oui. On lit le 3. Oui. On lit le 14. Et puis on allait rendre visite à son grand-père David. Tu vas comprendre tout là-bas. Toutes choses ont été faites par elle. Moi j'ai dit que la parole est un outil de création. Parce que la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Le ciel, la terre et tout ce qui suit ont été faites par la parole. Continue. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait aujourd'hui. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Psaume 33. Bon, on va pas dans le psaume. On n'a pas encore fini. On va au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Très bien. T'as vu non? Très bien. Ouais. C'est la preuve que la parole même est l'outil de création. Parce que cette parole par laquelle toutes choses ont été créées va prendre forme maintenant. Elle va être faite chair par quelqu'un. Elle sera plutôt faite chair par quelqu'un. Par qui? Par celui, par le créateur qui fait que la parole a créé toutes choses là. C'est par le même créateur que la parole maintenant va devenir chair. Donc à la base, la parole n'était pas chair. Pour que ça soit un individu. Pour que la parole soit un individu, c'est qu'à la base elle doit être chair. Elle n'était pas chair. Elle était un outil de création. Donc pour qu'elle devienne chair, il a fallu quelqu'un. Il a fallu le mécanisme, il a fallu la parole, il a fallu l'ordonnance de quelqu'un pour que la parole qui n'était pas chair devienne chair. Donc à la base, pour que tu te montres que j'ai raison, que ce n'est pas un individu là. Le verset 3 dit toutes choses ont été créées par elle. Au verset 14, elle a été faite chair. Donc elle a eu un début.
avant de devenir un individu, elle était apparemment outil de création. D'accord. Ça, ça fait, elle, c'est pas encore fini. Le dernier verset que tu parles. Psaume 33, verset 6 et le verset 9. Vas-y. Psaume 33, le verset 6. Rapidement, mon frère. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Voilà. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Si tu dis que c'est un individu, c'est d'un faux. Parce qu'un individu, c'est une créature. Mm-hmm. Déjà. Alors que l'on dit les cieux, pas des cieux, on ne parle même pas du Dieu. On ne parle même pas encore de la terre, on parle même de la matière homme. Mm. Donc on n'est même pas encore dans la chair, ouais. On est dans l'esprit. Donc la parole de l'Éternel a créé les cieux et la terre. Continue. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Vas-y. Car il dit. Quand il dit, le Créateur, vas-y. Et la chose arrive. Il ordonne. Lorsque Dieu ordonne. Et elle existe. Et elle existe. Donc si elle a été faite chair, c'est que c'est Dieu qui a ordonné qu'elle a existé. Donc à la base, elle n'était pas chair. Donc elle n'est pas un individu, mais un outil de création. Ok, dis-moi. Je souhaite qu'on lise Apocalypse 19, verset 11, puis on descend. Parce qu'il a dit, et puis vous l'avez entendu, que la parole n'est pas une individu, que la parole est un outil de création. Apocalypse. Apocalypse 19, à partir du verset 11, et puis on descend. Verset 11. Oui. Puis, je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge. Oui. Et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cet être-là, qu'on appelle la parole de Dieu, là, c'est qui? Question. Quand il disait le verset, excuse-moi, on a pris pas le temps, mais quand il disait le verset, j'ai dit à mon frère, tu te rappelles du coup qu'on a fait sur le verset là, non? Il me disait oui. On a déjà fait le coup sur le verset. Pas de problème. Le début déjà te dit qu'on a déjà, on est dans l'Apocalypse. Déjà, mais l'Apocalypse où tu es là maintenant, c'est la catastrophe. Normalement, tu n'as pas avoir un plein verset pour montrer que Jésus est Dieu. Mais c'est pas grave. On reste dans le verset. Oui. On dit, il va s'appeler. Son nom sera quoi? Non. Reprends. Lis le verset 13 où on dit la parole là. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Très bien. Le problème c'est que, frère, on s'assoit calmement. Le problème, c'est qu'ici, on est dans le nom. Oui. On dit il va s'appeler la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non, on n'a pas dit son nom. Son nom est. Bon d'accord, son nom est. C'est le verbe être conjugué au présent. Au présent. D'accord. Son nom est la parole de Dieu. Bon. Maintenant, si son nom est la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est la parole de Dieu? Mais attends d'abord. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Attends. Si son nom est Dieu. Il est Dieu. Attends, on va y arriver. Doucement. Oui. J'ai dit, ici il s'agit de son nom. Le nom qu'il porte. Oui. C'est le nom qu'il porte. Oui. Le nom qu'il porte ne fait pas de lui la chose du nom. Ça n'a rien à voir. Pourquoi l'Éternel dit, l'Éternel est mon nom? Dieu dit, est-ce que le nom éternel n'est pas éternel? Attends. Monsieur. Excusez-moi, hein. Tu dis qu'il s'appelle la parole de Dieu, c'est son nom. Mais dans la Bible, c'est la parole de qui? La parole de l'Éternel. Oui. Qui est l'Éternel? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'Éternel. Oui. Dans la Bible, moi je vais te montrer qu'il y a un prophète qui s'appelle l'Éternel dans la Bible. Prenez-moi Jérémie 33, le verset 16, s'il vous plaît. Le temps. Bon, les frères, vous savez ce qu'on va faire. On va arrêter pour jouer. On finit ça. La prière. La solade est vraiment importante. Oui. Je rentre dans votre inbox. Pourquoi vous ne décrochez pas? C'est vrai aussi. Bon, rentre dans son inbox, lui. D'accord. Lui, on fait le rendez-vous. Tu veux jeudi prochain ou pas? Non, je veux un huis clos.
Amen.